Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Hey, bienvenue dans ce nouvel info de la zone. Info de la zone que j'essaie toujours de faire environ à peu près une à deux fois par mois. En fait, c'est jamais vraiment planifié mon affaire, juste pour vous dire à quel point c'est pas planifié. J'avais pas l'intention de faire ça là au moment où je vous parle, mais la zone jeux de société est présentement en vacances, sortie de mon sous-sol, même sortie de mon pays, en fait. Je suis à quelques 200, quelques kilomètres de chez moi, aux États-Unis, dans un chalet présentement. Il y a probablement juste moi qui présentement est dans le fin fond d'un bois et qui a plein de jeux de société à vous présenter et qui sont avec moi ici à côté. J'ai envie de vous présenter, de vous parler, de discuter. Les infos de la zone, c'est tout le temps un petit peu un genre de réflexion sur la chaîne. C'est les moments où je vous parle un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que j'aimerais faire dans les prochaines semaines, et aussi demander votre avis souvent sur certaines choses dans vos commentaires. Et là, aujourd'hui, j'ai aussi l'intention de vous présenter les jeux que j'ai amenés avec moi, et surtout peut-être vous parler un petit peu des jeux que j'ai joués dernièrement. Je vous dirais que ça a été un mois de juillet assez rempli au niveau des nouveaux essais et des jeux que j'ai joués. Puis j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ces jeux-là. C'est sûr que pour la majeure partie d'entre eux, j'ai joué juste une fois, mais ça a été quand même, je pense, une belle... Ça a été de belles découvertes jusqu'ici, jusqu'à présent. Fait que écoutez, vous savez que j'ai franchi le cap du million de visionnements. J'en suis encore très honoré. Je trouve que c'est un beau chiffre qui est assez magique et extraordinaire. Donc, 1 million de visionnements en 5 500 abonnés, avec 5 500 abonnés. C'est quand même un exploit assez exceptionnel. Puis, je vous dirais que c'est encore pour moi une très grande fierté, mais c'est sûr que à quoi je dois ce million de visionnements-là, c'est définitivement... Définitivement, je pense à mes 800 plus vidéos là, juste pour vous dire là, parce que j'ai évidemment accès à quelques statistiques là, combien de vidéos que j'ai de faites présentement. Donc selon ce que j'ai ici comme information, c'est 815 vidéos. Puis là, au moment où je vous parle là, 5510 abonnés, 1,015,597 visionnements, 815 vidéos, c'est quand même beaucoup. Fait que bientôt on va fêter le cap du 1000 vidéos dans la zone jeux de société. Puis je voudrais encore une fois vous remercier. Je sais que je l'ai fait dans mon spécial troisième anniversaire, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire et à monter. Ça a été, un moment assez nostalgique pour moi de faire cette vidéo-là. Je sais que pour vous, c'est une grosse vidéo de 45 minutes. Encore une fois, je pense que mon début est beaucoup trop long. Je vous parle pendant 12 minutes de temps avec beaucoup d'émotion, mais le genre de 35 minutes de musique que j'ai mis là, c'est une belle vidéo de postérité pour la zone jeux de société, définitivement, parce que je pense que je vais la regarder personnellement souvent, parce que ça représente très bien mes trois dernières années. Malheureusement, dans mon montage, il y avait un léger décalage que je me suis pas rendu compte avant de générer ma vidéo d'environ 3-4 secondes. Et puis, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai des éléments... Dans le fond, j'avais vraiment bien timé ma vidéo avec la musique. Puis, il y a des choses qui se sont pas bien positionnées à cause de ça. Je sais que pour vous autres, vous l'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu. Bienvenue à la zone de société. Bonjour tous. Bienvenue à la zone. Parce que
En plus, j'ai fait une erreur aussi dans le nom de David, David Couteau, qui s'écrit C-O-U-T-O. Tout ça pour vous dire que je vais remettre cette vidéo-là en ligne dans les prochaines semaines, mais je vais mettre uniquement la portion musicale. Si ça vous tente de la regarder juste avec cette portion-là, et moi personnellement, bon, moi je vais avoir la version définitive, correcte, toute modifiée, changée. Je vais être très satisfait de ça. Mais voilà, fait que c'est ça. Je vous remercie encore énormément, beaucoup. Puis vous avez vu aussi que j'ai commencé mon été des semaines thématique, qui, je pense, est un petit peu plus demandant que je pensais au départ. J'ai environ 5 semaines thématiques de prévues. Puis je vais continuer à les faire. D'ailleurs, la prochaine devrait commencer dimanche prochain. Je peux vous le dire tout de suite, là, c'est une semaine thématique science-fiction où on va vous présenter c'est des sessions de jeux à tous les jours, donc du lundi au vendredi, mais ça ne sera pas 5 jeux différents. On va avoir 2 jeux en 2 épisodes. Enfin, on va avoir 3 jeux en 2 épisodes, sauf qu'il y en a un que je vais peut-être mettre dans la même journée. Je peux tout de suite vous dire qu'on va dévoiler qu'on va avoir Firefly The Game, donc finalement le jeu c'est un de mes jeux favoris, que j'adore peut-être pas tant jouer en solo. C'est plus un jeu qui est le fun à jouer à 2, à 3, même à 4 personnes. C'est un jeu de longue haleine, mais c'est un jeu très épique. Et depuis que j'ai commencé ma chaîne, j'ai toujours voulu présenter justement cette session de jeu-là. Et ça va se faire. Et on va aussi, c'est Stéphane qui va vous présenter également. Hein, c'est le fun d'être dans le bois, on a plein de bébites. Stéphane va vous présenter Star Wars Outer Rim. J'ai voulu présenter les deux. En contradiction un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le premier épisode de Firefly le dimanche. Ensuite, on va intercaler ça du premier épisode de Star Wars lundi. On va finir la session de jeu de Firefly mardi et de Star Wars mercredi. Puis, après ça, jeudi, vendredi. Finalement, ça va être 6 jours, d'après ce que j'ai dans ma tête là, présentement. Ça va être un jeu surprise dans le monde de science, dans la science-fiction. Fait que je vous laisse voir qu'est-ce que ça pourrait bien être. Puis je voulais vous présenter donc les deux Firefly puis Star Wars Outer Rim, un à côté de l'autre, parce que selon moi, c'est deux jeux qui sont pas mal pareils. Même que je vous dirais que j'ai l'impression que Star Wars Outer Rim ont imité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de Firefly, de Game, mais en le réduisant peut-être un petit peu dans le temps et en y accolant également le thème de Star Wars et en y mettant peut-être un petit peu plus d'emphase sur un aspect narratif qui se suit quand même bien. En tout cas, bref, si vous voulez voir vraiment le clash des deux jeux, puis voir si... Parce que Firefly est encore disponible. Je pense que vous êtes encore capable de l'acheter uniquement en anglais. Par contre, malheureusement, je pense que Gale Force 9 n'ont pas traduit ce jeu-là. Bien, je vous invite à aller regarder ça à partir de dimanche. Puis, j'étais supposé après ça de faire des semaines thématiques à toutes les semaines comme ça. Mais ça va peut-être déborder pendant l'automne, parce que, comme cette semaine, vous étiez supposé d'avoir la semaine thématique de Star Wars et de Firefly de science-fiction. Mais c'est quand même demandant. Je suis en vacances, hein, et puis je me suis dit que la zone, ça allait toujours être une zone, ça allait toujours être un plaisir de faire faire ça avec un plaisir, comme je dis. Donc, je veux pas que ce soit une job. Et puis, à un moment donné, la semaine passée, je me suis installé, je me suis dit, j'aurais pas le temps de finir Firefly, j'aurais pas le temps de faire le montage de Firefly. Je m'en venais en vacances, puis en même temps, j'ai reçu David Couteau, donc le professeur Borgin, qui est venu faire un petit tour chez moi. Puis, je suis allé aussi chez Martin Montreuil, donc j'allais faire un tour chez Martin Montreuil. Puis, je voulais pas m'empêcher de faire ces choses-là, parce que m'amuser avoir du fun avec David au jeu de société, c'est toujours cool. Puis, passer du temps avec Martin, c'est toujours aussi super le fun. Donc, je veux pas que ce soit... C'est pas une job. Je veux dire, il faut que ça reste un plaisir. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de décaler ma semaine. Et puis, probablement, vous êtes rendu compte que cette semaine, il n'y a pas beaucoup de présentations vidéo, parce que j'ai vraiment pris tout mon temps pour filmer les jeux
Donc de Firefly, qui est quand même un très long jeu. Il a fallu que je relise les règles. C'est pas un jeu, c'est un jeu qui est un petit peu fiddly dans les règles. Ça n'a pas été nécessairement ultra facile donc de faire cette session de jeu-là. Donc ça a été plus long que prévu. Mais en tout cas, bref, c'est pas grave. Il y a quand même l'info de la zone. Puis au moment où j'enregistre ceci, je sais que Stéphane est en train de préparer aussi une petite exclusivité pour la zone jeu de société qui devrait être en ligne probablement avant que vous ayez vu ça. Donc je peux le dire. Donc Century, le dernier Century qui est Eastern Wonder, je pense le nom, mais je m'échappe. Donc c'est une exclusivité. Donc Stéphane qui a réussi à avoir un contact chez Plan B pour pouvoir nous fournir le jeu avant qu'il sorte en magasin et puis qui vous a présenté ça. Donc au moins cette semaine, ça nous a permis de vous présenter ça avec ce petit info de la zone là. Mais dès dimanche, on va commencer le prochain. Donc la prochaine présentation, la prochaine semaine thématique. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans la zone dans les prochains? Puis en même temps, il y a un élément que j'aimerais vous poser comme question. Il y a deux éléments de réflexion. Première, je veux parler des commentaires. Donc, je m'en ai dit qu'est-ce qui s'en vient dans la zone. Avant de penser à ça, je veux vous parler des commentaires. Je réponds pas à beaucoup de commentaires depuis quelques temps, et encore une fois, c'est pas par manque d'intérêt. Je veux juste le faire parce qu'on dirait que ce qui est le fun de la zone de jeu de société, c'est la communauté. Et si je fais ce que je fais là avec l'intensité que je fais là et avec les bébêtes qui me tournent autour de moi ici présentement, c'est définitivement à cause de, je vous dirais, de cette communauté de la zone de jeu de société qui est le fun. Et je vois que toutes mes vidéos, même si j'ai pas une quantité industrielle de visionnement sur mes vidéos, je dirais que ça tourne. Puis je sais qu'on est l'été en même temps, puis je sais que vous autres en France, vous avez une canicule de malade mental qui fait en sorte que peut-être vous avez moins le temps ou moins d'intérêt à regarder des vidéos sur YouTube sur des jeux de société. Il y a aussi mon nombre d'abonnés que je trouve qui monte pas à une vitesse vertigineuse. Est-ce que ça me dérange? Bon, tu sais, je suis un YouTuber, hein? On s'entend que tous les YouTubers que je connais, on a tous un petit œil sur la quantité d'abonnés que l'on a. Est-ce que ça me dérange à outre mesure? Non. Des fois, j'essaie de voir est-ce que j'en fais assez, puis je ne fais pas des vidéos, mais est-ce que je fais assez de promotion de ces vidéos-là? Est-ce que je devrais... parce que j'ai arrêté de publier mes vidéos sur Board Game Geek. Est-ce que je devrais le faire? Est-ce qu'il y a un site français ou un site européen où on peut faire la promotion des vidéos aussi que je connais pas? Tric-Trac, j'ai pas vu une façon de présenter des vidéos. Peut-être que des gens pourront m'aider là-dessus dans les commentaires. Parce que à part, je vous dirais, Board Game Geek, j'ai pas vraiment vu d'autres endroits. Mais les commentaires, pour moi, c'est super important. Puis, je vous dirais que je reçois environ... C'est sûr que les jours où je ne mets pas de vidéo, mais étant donné que je mets à peu près 4 à 5 vidéos par semaine, 3 à 4 vidéos par semaine plutôt, je dois recevoir environ une cinquantaine de commentaires par jour sur tout plein de vidéos. Et ça inclut des vidéos, des fois, qui ont plusieurs mois, même quelques années en arrière. Puis, je m'étais toujours dit que j'allais répondre à tout le monde. Et là, je suis très en retard. Mais bon, je veux vous dire que j'abandonnerai pas de répondre à vos commentaires. Je vais le faire, encore une fois de temps en temps, sur vidéo. Donc, des fois, je fais des infos de la zone réponse à des commentaires. Donc, je vais continuer à faire ça. Puis, quand je donne mes réponses, je veux être tout là. Donc, je veux pas juste faire un genre de... je clique sur le petit cœur, puis juste pour vous dire que je l'ai lu. Je veux vraiment vous répondre. Puis à chaque fois que j'écris des affaires comme « merci », merci beaucoup, c'est vraiment très senti et j'essaie d'être vraiment toute là. Donc, ce qui fait en sorte que je veux pas que vous vous sentiez offusqué si je réponds pas à vos commentaires. Je veux que vous sachiez que je les lis vraiment tous et je prends vraiment le temps de répondre mentalement à tout le monde. Et éventuellement, je vais prendre le temps de vous répondre plus convenablement. Mais continuez à m'écrire, s'il vous plaît, c'est pas manqué. Puis, gênez-vous pas pour vous auto-répondre aussi. Hein. Si des fois, il y a des gens qui posent des questions, s'il y a des gens qui ont des réponses, allez-y. Hein. C'est une communauté, c'est pas juste moi qui fais partie de la zone de société, c'est toutes vous autres. Alors, gênez-vous pas et répondez-vous. Et là,
OK, une petite débite sur ma lentille, c'est super la fun. C'est ça le bois. Hein? C'est ça, être dans le bois, dans cette magnifique contrée. Je suis présentement à Jay, New York, dans l'État de New York. Et écoutez, c'est du bois à perpétuité autour de moi. Je suis vraiment dépaysé par rapport à ma petite bourgade qui s'appelle Saint-Zotique, mais c'est quand même un endroit très agricole. Mais ici, ça, avec les enfants, beau chalet de mon beau-frère d'ailleurs, que je remercie beaucoup. On s'est beaucoup reposé. Et parlant de reposer, ben, je vais vous parler des jeux que j'ai essayés. Je vais commencer très rapidement parce que je risque d'en revenir aussi dans mon vidcast de la zone que je vais faire avec David. D'ailleurs, la semaine dernière, David est venu faire un petit tour chez moi. On était supposé d'enregistrer notre vidcast de la zone jeu de société. Ben, c'est pas le vidcast de la zone jeu de société, mais le vidcast de la zone avec David. Et au lieu de le faire, de nos sous-sols respectifs, on voulait le faire ensemble. Mais malheureusement, on a décidé de jouer à des jeux de société, puis ça ne tentait pas d'arrêter pour faire l'enregistrement. Donc, on a continué à jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a joué ensemble? Bien, écoutez, c'était quand même une soirée où on a joué à plusieurs jeux. Et le premier que je pourrais vous dire que j'ai... Bien, c'est une journée, parce qu'il est arrivé en début d'après-midi. On a essayé le nouveau Lock Up, qui est un jeu dans le monde de role-player, qui est un worker placement, qui est quand même assez, je vous dirais, de base, là, en général. Là, c'est un worker placement où on est dans une prison, puis on doit aller, je vous dirais, je comprends pas trop le thème exactement, l'idée de sortir de la prison, avoir le plus d'influence, je pense, dans la prison, c'est ça le but. Puis on a différents endroits et où on doit placer nos travailleurs, mais nos travailleurs, ce sont des chiffres, donc ce sont des numéros, et puis on peut les mettre face cachée ou face visible, et c'est celui qui a, et tout le monde peut mettre, dans un premier temps, c'est qu'on va mettre toutes nos, mettons, moi je vais mettre un ou deux personnages dans un lieu, ensuite de ça, David va mettre ses personnages, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on n'en ait plus. Ensuite, on va révéler, et celui qui a le plus le nombre le plus fort va faire l'action qui est l'endroit. Et ce qu'ils font, c'est qu'il y a un petit aspect de bluff, parce que on peut mettre trois de nos workers, de nos travailleurs, on peut les mettre face cachée, donc on ne sait jamais ce que l'autre a mis. C'est un petit jeu cool, c'est un petit jeu, je veux dire, c'est un... très rapidement, je pense qu'on a fini notre partie en 45 minutes. Puis en passant, David m'a littéralement détruit dans cette partie-là. Mais c'était beaucoup plus cool que je pensais. Ça a vraiment le vibe de role player à tous les points de vue. Puis c'était vraiment très cool. Et je pense qu'on a bien apprécié notre partie. Parce que moi j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça le fun. Est-ce que c'est un jeu que j'irais m'acheter? Je sais pas. Je pense qu'il ne m'a pas impressionné à ce point-là, mais je suis content de l'avoir essayé. Puis si David me proposait d'y rejouer, je dirais oui. Ça a été donc notre tentative, notre première partie de lock-up. Ensuite de ça, je lui ai présenté Crysis, qui est Stéphane, qui vous en a fait un déballage il n'y a pas tellement longtemps et que je vous promets qu'on va vous faire une session de jeu en solo ou en duo, je ne sais pas, mais quel jeu magnifique, le jeu Crysis, qui ne dit absolument rien. Je trouve qu'artistiquement, il est correct, mais quand tu regardes la boîte, c'est pas très invitant. C'est un jeu économique d'une très grande intelligence où on est dans la ville d'Axiom et puis il y a une grosse crise économique et on représente une entreprise, j'appellerais plus ça, on est des investisseurs et on doit essayer de sortir la ville d'Axiom du marasme économique c'est exactement comme lock-up, donc on va mettre nos travailleurs sur différents lieux et une fois que les travailleurs sont mis, on va dans l'ordre, on va faire les actions et les actions vont aller d'engager des travailleurs extérieurs, des travailleurs locaux. La différence entre les deux, c'est qu'il faut payer les travailleurs extérieurs, donc les travailleurs locaux vont être gratuits, vont donner des petits avantages. Ensuite, on va investir notre argent qui est très limité dans ce jeu-là, dans des différentes entreprises. Ça peut être des mines, ça peut être des fermes, ça peut être des centrales électriques. Tout ça dans le but de générer des ressources qu'on pourra ensuite utiliser pour
justement faire fonctionner nos entreprises ou pour vendre dans le marché d'exportation pour faire de l'argent afin d'accomplir des buts. Et des buts, c'est souvent des buts économiques, c'est des buts de points. Donc, c'est un jeu compétitif, mais dans lequel il faut travailler ensemble un peu. Il ne faut pas bloquer l'autre parce que s'il y en a un qui fonctionne vraiment pas bien puis il y en a un qui fonctionne bien, bien la ville d'Axum va continuer à descendre dans le marasme économique. Alors que quand les deux entreprises fonctionnent bien, bien Axum va mieux et ça va mieux pour nous. Donc, c'est un jeu qui est compétitif, mais avec une vision où il ne faut pas que tu bloques l'autre. Il y a quand même quasiment un petit aspect d'entraide. Alors, en tout cas, bref, Crysis, je pense que David a bien apprécié. Ça a été vraiment très, très fun. Et on a beaucoup apprécié ça. C'est un jeu d'une grande intelligence qui a de l'air complexe, mais qui est simple. Alors, je vous le recommande vraiment, vraiment fortement. Ensuite de ça, bien, écoutez, je peux vous dire qu'on a... j'ai quelques petits jeux à côté de moi, là. Alors, j'ai... David, il m'a montré littéralement comment jouer à Tréfuté puis Tréfuté 2. Donc, c'est Doppler So Clever puis Tréfuté. Donc, on a joué au nouveau. On a fait quelques parties. Puis, David, il est vraiment fort à ce jeu-là. Incapable de le battre. Mais en tout cas, c'est des petits jeux de dés, des roll and write d'une très grande intelligence que je vous recommande fortement de vous procurer si vous avez jamais joué à ça. Puis, ça se joue en solo également. Donc, c'est très, très bien. Puis, dans la soirée, bien, on a joué un jeu que je vais vous présenter dans quelques instants. Ensuite de ça, bien, écoutez, j'ai rencontré Martin Montreuil, donc chez lui. Ça a été une super belle soirée. Je te remercie beaucoup, Martin. Ça a été super le fun. Et à quoi est-ce qu'on a joué? Bien, d'ailleurs, j'ai vu ce matin qu'il avait mis la vidéo en ligne. Donc, on a joué à Imperial Settler Roll and Write, qui est un petit jeu qui m'avait laissé un peu perplexe au début. Lorsqu'on a commencé, Martin puis moi, j'avais regardé la vidéo de Rodney Smith de Watch It Play. Donc, on a ouvert le jeu chez lui. Puis, on s'est installé pour jouer sans avoir lu les règles. Et il y avait des subtilités qui rendaient le jeu un peu fiddly, hein, je pourrais vous dire. Mais en bout de ligne, c'est un bon jeu, c'est le fun. La seule affaire qui manque dans ce jeu-là, c'est des jetons de ressources. Alors, vraiment, là, parce que c'est un jeu simultané, là, ce que je veux dire, c'est qu'on lance les dés et tout le monde a accès aux différentes ressources et au nombre d'actions. Sauf que c'est ça le problème, c'est que tout le monde a accès aux différentes ressources et avec tes habiletés spéciales que tu as sur les feuilles, des fois, tu te ramasses avec des ressources supplémentaires et donc combien de ressources que tu as. Donc, si vous avez le jeu Imperial Settler, je vous recommande fortement de prendre des ressources qui viennent avec pour peut-être justement vous accumuler les ressources que vous avez besoin pour savoir exactement ce que vous pouvez faire. Ça peut vous aider. On finit par s'habituer. J'ai joué avec Hélène ici au chalet et ça a très, très bien été. Ça a été le fun et elle a apprécié. Et j'aime beaucoup ce jeu-là. Par contre, la rejouabilité, elle est... Je ne sais pas, on verra, parce que oui, il y a un petit pad solo qui vous permet d'avoir des différences très notables entre chacune des feuilles. Mais quand vous jouez en multijoueur, c'est toujours les mêmes feuilles, avec toujours les mêmes habiletés. Ça aurait peut-être été le fun d'avoir justement des factions. J'imagine que ça va venir dans des extensions, là, mais tu sais, ça aurait été le fun d'avoir les Romains. Qui aurait eu des buildings différents. Peut-être que ça aurait été plus difficile de justement de s'assurer que tout fonctionne bien dans cette façon de fonctionner là. Mais en tout cas, bref, Imperial Settler Rolls and Write, c'est un bon jeu, c'est moins pour l'instant intéressant. Je vous dis, hey, je me fais piquer de partout, c'est l'enfer. Il y a des maringouins comme jamais dans le coin. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est un bon jeu, mais j'ai pas essayé le solo encore. Donc ça va venir, ça va vous être présenté éventuellement sur la chaîne. Donc voilà. Donc on a commencé à jouer à ça, puis ensuite de ça, j'ai finalement essayé Wingspan parce que Martin a une copie de Wingspan. Donc j'ai joué. Est-ce que j'ai aimé ça? Oui. J'ai trouvé ça très cool, j'ai trouvé ça très le fun, le thème des oiseaux. Puis Martin, on avait beaucoup de plaisir à chaque fois qu'on jouait un oiseau, à lire le petit flavor text. Il l'a en version française, donc on lisait le petit flavor text pour essayer de comprendre, connaître les différents oiseaux. Je trouve que c'est un jeu d'une grande intelligence. J'aime beaucoup, moi, le fait qu'il y ait un petit dice tower en forme de mangeoire d'oiseaux. Je trouve ça vraiment le fun. Est-ce que ça vaut le hype? Je pense pas.
Je pense pas. C'est un excellent jeu. Je veux dire, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'il est d'une simplicité incroyable. Je veux dire, c'est un jeu très simple. Ce qu'on peut faire, construire, notre tableau qu'on peut construire sur notre plateau, c'est vraiment le fun, c'est vraiment cool. Est-ce que c'est un jeu que je jouerais 50 fois? Je le sais pas. J'ai pas essayé l'Automa encore. Là, il y en a beaucoup qui me parlent bien de l'Automa. C'est un petit jeu rapide, simple, qui peut... ce que je veux vous expliquer, c'est que probablement que quand je parle souvent de mon ami Eric, probablement vous ne le connaissez pas, Eric, parce que vous ne l'avez jamais vu sur la chaîne. Mais Eric, c'est un non-gamer. C'est un gars qui va apprécier énormément un jeu comme celui-ci, High Risk, que j'ai apporté au chalet, qui aime beaucoup ça parce que c'est d'une grande simplicité, mais qui jouera probablement jamais à Empire of the Roll and Ride parce qu'il va trouver ça un peu trop compliqué. Je pense que Wingspan, c'est un jeu qu'il aimerait parce que c'est un jeu un petit peu plus complexe, mais qui est quand même simple à comprendre. Puis, il y a quand même une certaine vision d'apprentissage avec les oiseaux. En tout cas, j'ai essayé Wingspan. Puis, le soir, finalement, et ça, c'est drôle parce qu'il était rendu 11h le soir. Et là, Martin, il me dit, tu veux-tu t'en aller? Je dis, ben moi, je suis en vacances. Toi, tu travailles encore. Puis, il dit, ah, moi, il n'y a pas de trouble. Puis, je pense que je le crois. Je pense que Martin, il dort pas. Puis, là, on regardait chez eux pour un jeu à jouer. Et là, il me dit, j'ai dit, t'as Escape Plan, mais il n'est pas ouvert. Fait qu'il me dit, ben, j'aimerais ça que tu me le montres parce que moi, j'ai joué plusieurs parties. Alors, on s'est installé, on a joué à Escape Plan, on a dépunché le jeu qui est quand même un méchant gros jeu à dépuncher. Je lui ai expliqué les règles et je suis sorti de chez lui à 1h15 du matin après une partie d'Escape Plan. Et Escape Plan de Vital Lacerda, c'est excellent. J'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Je pense que Martin a apprécié également. Il m'a battu d'ailleurs. Ça, c'est pas nouveau, c'est la vie, c'est ma vie. Fait que voilà, fait que pour Escape Plan, puis ça finit ma journée. Et ensuite de ça, ben, au chalet, je peux juste vous dire que ben, j'ai rejoué avec mes enfants à Draftosaurus. Super le fun, on a joué deux parties au nombre maximal de 5, donc mes trois enfants avec Hélène et moi. C'est un beau petit jeu, vraiment le fun de draft, de petits pions, de dinosaures qu'on place sur notre plateau. J'ai pas joué, mais j'ai ouvert Tiny Epic, donc Tiny Epic Defenders que j'ai déjà. Vous ai déjà présenté sur la chaîne, et c'est là que je m'étais rendu compte qu'il y avait une deuxième édition de Tiny Epic. Ça, c'est Defenders de Dark War, l'extension de Tiny Epic Defenders, qui est la deuxième édition. Alors, j'ai ouvert. J'ai pas joué, par contre, mais c'est quelque chose qui s'en vient très bientôt. Grâce à Martin Montreuil, justement, en allant chez lui, je me suis ramassé une copie de Roll and Ride, parce que je vous rappelle que Martin a une boutique au Centropolis à Laval. Donc, je lui ai demandé de me garder un Roll and Ride et aussi de me garder un de ses Santa Watch Deluxe Edition. Alors, j'ai fait un déballage. D'ailleurs, c'est quand vous allez voir sur la chaîne le déballage. Vous allez probablement remarquer que ça ressemble beaucoup à un chalet. Alors, c'est ici que j'ai fait le déballage. Ça, c'est un petit jeu vraiment intéressant, Santa Watch. Vous allez voir sur la chaîne de Martin. En attendant, il vous a fait une présentation de ce jeu-là. C'est vraiment très cool, très le fun. J'ai reçu Tiny Epic Mix que j'ai ouvert. J'ai pas joué encore. Cette boîte-là, elle est remplie. Écoutez, vous pouvez pas... J'ai de la misère à fermer la boîte. C'est incroyablement rempli, ces petites boîtes-là. En fait, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'ils arrêtent de les remplir à ce point-là. C'est probablement le Tiny Epic qui m'intéresse le moins. Je l'ai ouvert et même en l'ouvrant, j'ai fait comme... Bah, c'est rempli de stock, là. Mais je pense que c'est le style de jeu qui m'intéresse pas. Le pire, c'est que c'est un jeu de planification et de... Comment on appelle ça? Pas de planification, mais c'est de programmation. Un petit peu comme Mex vs. Minion, mais en plus petit. Mais c'est un jeu de combat. C'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu compétitif. Mais il y a quand même un solo. En tout cas... Je vais y laisser la chance au coureur. Le matériel est toujours aussi intéressant. J'ai finalement joué une partie de Tiny Epic Zombies avant hier. Très mitigé comme partie. Vous irez voir mon Instagram. D'ailleurs, j'en ai parlé sur mon Instagram. J'ai été même un peu déçu. J'ai trouvé ça mécaniquement ennuyant. Même si c'est quand même cool, mais je veux dire, le solo, il est correct. Puis il y a des affaires, je comprends pas tout à 100%, mais il y avait en fait un objectif, l'objectif des paramilitaires là, que j'ai eu, qui semble-t-il est le plus difficile des objectifs. Alors ça va venir dans la zone très bientôt. Et qu'est-ce qui me reste à vous présenter? Ben, j'ai
finalement essayé New Frontier avec Hélène hier soir. Ça faisait très longtemps que je l'avais déballé avec, avec Stéphane. Et je me suis installé pour jouer. Je pense que j'aime mieux encore Roll for the Galaxy que celui-là. C'est correct. Il va falloir que j'y rejoue. Hélène, elle m'a vraiment battu beaucoup, là. Elle m'a battu par 20 points. Mais c'est ça. En tout cas, c'est quand même un bon jeu de construction de tableau. À deux joueurs, correct. C'est correct. Et ça, il ne m'a pas emballé plus que ça, mais il y a vraiment beaucoup de matériel. Et finalement, ça, c'est l'autre jeu que j'ai joué avec David. Donc, on a joué une partie, finalement, de Projet Gaïa. Et j'ai, au chalet, fait une partie en solo. Et vous aviez raison. Vous aviez raison. Quel jeu extraordinaire, ce Projet Gaïa-là. C'est vraiment un magnifique jeu. Et le solo, il est incroyable. L'automa, il est magnifiquement fait. C'est simple. Il est simple à comprendre. Quand on a plusieurs choix, c'est vraiment très bien fait. Et ça, c'est sûr que je vais vous en faire une présentation. Très en retard, j'en suis conscient. Mais j'ai finalement compris ce que vous m'aviez dit. Fait que je vous dirais que c'est pas mal ça. C'est quand même pas pire comme mois de juillet pour l'instant. C'est une bonne quantité de jeux. Vous voyez que j'ai amené beaucoup de choses au chalet pour me préparer pour ce qui s'en vient également cet été. Juste avant de vous laisser finir cette info de la zone qui dure depuis une trentaine de minutes, je veux terminer en vous parlant de... Je veux avoir votre avis. Okay, je vais avoir votre avis sur quelque chose. Vous savez que mes sessions de jeu, c'est quelque chose que je continue à faire tout le temps. C'est avec les déballages, c'est les deux concepts qui ne changeront pas. Quand je dis changeront pas, c'est que je vais peut-être changer mon style. Des fois, mes déballages, je pense à changer un peu la façon de les faire. Je verrai. Mes sessions de jeu, j'essaie d'être le plus concis possible. Et là, je me suis rendu compte, quand je dis concis, c'est que j'essaie de vous présenter le jeu en action, mais en vous faisant une mise en place qui est toujours très, très, très détaillée. Et là, ce qui est drôle, c'est que je regardais une vidéo de mon collaborateur et mon ami Stéphane, qui était Village Attack. Et je me suis rendu compte qu'après 20 minutes, il avait toujours pas commencé à jouer. Puis en passant, c'est pas pour parler contre Stéphane, je fais la même chose que lui. Des fois, ça peut me prendre 15 à 20 minutes avant de commencer à jouer une partie. Et là, je me suis remémoré mes premières sessions de jeu. Et je regarde également des vidéos de One Stop Co-op, qui lui, dans le fond, il fait une vidéo de mise en place. Puis après ça, il fait sa vidéo de jeu. Et là, je me dis, est-ce que ça serait pertinent? Parce que là, ça rajouterait encore une session supplémentaire. Ça veut dire, pas une session, mais ça me rajouterait un épisode supplémentaire, mais je pourrais faire juste un épisode pour présenter la mise en place des jeux. Et ensuite de ça, l'épisode numéro 2 serait directement le début de la partie. Donc, je pourrais faire mise en place, explication d'un tour de jeu. Et ensuite de ça, pour mes épisodes 2 et subséquents, ça serait ma session de jeu. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je faisais au départ. Quand je regarde mes vidéos les plus regardées, comme par exemple Scythe, qui est la vidéo la plus regardée, c'est pas ma session, mais c'est ma mise en place. Donc, j'avais expliqué la mise en place du jeu, puis ensuite de ça, le deuxième épisode, c'était ma partie en tant que telle. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'aime du fait de faire la mise en place puis commencer à jouer, c'est que au moins dans un épisode, t'as la moitié d'une partie. Je sais pas. En tout cas, je vous en parle. Je suis dans une réflexion présentement et je risque de rien changer jusqu'à temps que je finisse mes semaines thématiques, là, je vais vous avouer. Mais probablement pour cet automne. En tout cas, donnez-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez pour les sessions de jeu? Je sais qu'il y en a. Il y en a qui vont me répondre, qui vont me dire « Martin, moi, ça serait juste suffisant que tu me présentes un tour de jeu. » Mais moi, c'est pas ça. La zone de jeu de société, c'est des sessions de jeu, des parties du début à la fin. C'était ça mon concept de départ et ça va toujours demeurer ça. Que je gagne, que je perds, mon but, c'est de vous présenter une partie complète du début à la fin. Pourquoi? Parce que moi, je joue à un jeu. Je veux pas juste présenter un jeu. Moi, je veux jouer à un jeu avec vous. Puis je veux qu'on vive ça ensemble. Je veux vous montrer toutes les émotions dans lesquelles je passe, qui sont tous de véritables émotions. Et pour moi, c'est mon plus grand plaisir. Ça fait des plus longs... Comment dire? C'est des plus longs montages.
Puis je suis obligé, je sais que Martin du futur chiale beaucoup qu'il est en prison, mais j'ai besoin de lui, qu'est-ce que vous voulez, pour justement regarder tous les épisodes intégralement, afin d'être sûr que je fasse pas d'erreur, parce que je voulais essayer le plus possible de vous présenter des parties qui sont sans erreur, mais c'est impossible pour différentes raisons. En tout cas, donnez-moi vos commentaires. Donc, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que c'est correct de y aller avec mise en place pour un premier épisode, session de jeu à partir de du deuxième épisode? Est-ce que vous allez quand même être intéressé à regarder la session de jeu? Parce que la mise en place, ce n'est pas une mise en place, ou peut-être de faire les deux épisodes, mais les sortir en même temps. Donc, d'avoir la mise en place et l'épisode 2 tout de suite en même temps. Comme ça, si vous voulez tout de suite sauter à l'épisode des réflexions comme ça. Fait que voilà, je vais terminer ça là. Aujourd'hui, c'est le retour à la maison. Faut aller faire du petit ménage dans le chalet avant de revenir chez moi et puis de continuer à vous préparer du contenu pour la zone jeu de société. Merci beaucoup encore tout le monde. C'est un bel info de la zone. Ça a été le fun. Je trouve ça vraiment toujours très agréable de faire la chaîne. Et puis Stéphane aussi, que je remercie énormément de m'aider dans la chaîne. Vous savez que Stéphane, il commence aussi à s'équiper. Je pense qu'il commence à prendre ça vraiment beaucoup au sérieux d'être collaborateur dans la zone jeu de société. Il vient de s'équiper justement de nouveaux sets d'éclairage. Et puis pour l'été, il a réussi à avoir une bonne caméra pour vous présenter de belles vidéos. Donc je pense qu'on va s'améliorer tous les deux ensemble. Tranquillement, pas vite, je pense qu'on va être capable de vous présenter encore plus de contenu. Puis je le remercie beaucoup parce que c'est du temps et puis je veux pas l'overloader de stock, hein, parce que je peux être quand même assez exigeant. Fait que je te remercie beaucoup Stéphane, puis ben pour vous autres, merci beaucoup de m'écouter. Alors abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. J'ai recommencé à faire un petit peu plus sur mon Instagram, fait que vous pourriez y retourner. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire que je remercie énormément, Le Valet Cœur, au www.levalet.com. Allez faire un petit tour sur mon Patreon. Je suis quasiment rendu à 200$. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas, mais quand je vais arriver à 200$, je vais avoir atteint mon premier objectif Patreon, qui est de faire mon top 100. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir un top 100 des meilleurs jeux de tous les temps de Martin Lafrenière de la zone jeux de société, bien, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon Patreon au www.patreon.com/zone-jeux-de-société. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, bien, on va se revoir très bientôt.